Xavier Boisset, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de votre dernier livre, un roman policier publié aux éditions 10-18, dont le titre est « Avant l'aube ». Donc c'est un, on découvre qu'avant l'aube, dans le roman, ça, il y a plusieurs moments où on est avant l'aube. Mais est-ce que vous pouvez nous raconter le début de l'histoire ? Avant l'aube commence par une scène assez violente, puisqu'il s'agit d'une fusillade dans une rue de Paris, dans le 8e arrondissement, pas très loin d'ici, dans laquelle va être impliqué un policier qui s'appelle Philippe Marlin, un inspecteur de police, qui va commettre quelque chose qui est tout de même à la limite de la bavure, et contre toute attente, cet inspecteur va avoir une promotion, et il va être nommé au Quai des Orfèvres, à la police judiciaire de Paris, où il va intégrer donc, une équipe de policiers chevronnés, et dans laquelle, avec laquelle il va participer à une enquête qui va le mener dans les coulisses de la France des années 60. Ce qui les fait rentrer dans l'enquête, c'est la découverte d'un corps, d'un cadavre, d'une jeune femme sur la Petite Ceinture, dans le 17e arrondissement, un cadavre qui est mutilé, et dont ils ont du mal à déterminer l'identité, et finalement, en faisant une recherche approfondie au sommier, ce qu'on appelle le sommier dans le jargon policier, il découvre l'identité de cette jeune femme, et il découvre que c'est une ancienne prostituée, et donc, puisqu'elle était fichée aux mœurs. Il découvre que c'est la femme d'un entrepreneur du BTP parisien, d'un important entrepreneur du BTP parisien. Sans aller plus loin dans l'histoire, est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le portrait des 3-4 principaux personnages ? Alors, dans l'équipe des policiers, donc, il y a trois protagonistes. Il y a Philippe Marlin, l'inspecteur, le personnage principal du roman, qui est aussi le narrateur. Il a un supérieur hiérarchique qui est un commissaire, qui est le commissaire Bénac, donc qui est son supérieur direct, et il fait équipe avec un autre inspecteur qui s'appelle Olivier Levarec. Ils incarnent donc trois policiers très, très méticuleux, très, très scrupuleux aussi. Et on a deux figures de méchants dans le roman. Alors on a d'abord un méchant qui est très violent, qui est un ancien parachutiste du 11e choc, qui s'appelle Falk, dont on va découvrir que les agissements sont extrêmement peu recommandables. Et cet homme travaille en fait en sous-main pour un sénateur qui s'appelle Jean-Maurice Candiru, dont on va très vite découvrir qu'il est véreux, corrompu. Il y a aussi une femme fatale, en plus de la morte. Alors, est-ce qu'elle est fatale ? Il y a toujours une femme, oui. Est-ce qu'elle est fatale dans les romans politiques ? Alors oui, il y a évidemment cet archétype de la femme fatale. Chez moi, elle n'est pas fatale, elle est journaliste, elle travaille à l'AFP, elle est jeune, elle incarne cette jeunesse des années 60, celle du baby-boom qui fait son apparition dans ces années-là. Et elle va devenir la maîtresse du narrateur, de Philippe Marlin. Alors elle n'est pas fatale, elle est plutôt du côté de... Voilà, d'une insouciance et d'une insolence qui sont celles de la jeunesse, mais aussi du côté d'une forme d'ironie, d'une ironie un peu anarchisante. Donc c'est un roman qui se passe dans les années 60, en 1966, oui. Très exactement d'ailleurs. Pourquoi avoir choisi cette période, qui est plutôt une période riante dans l'imaginaire de tout le monde, et d'avoir mis en scène ce qu'on appelle le sac? Alors d'abord, on a souvent aujourd'hui, on a souvent une vision des années 60 qui est quelque peu idyllique, puisque ce sont des années d'une grande prospérité économique. Donc vous l'avez noté, l'action se situe à la fin de l'année 1966, et à cheval donc, sur l'année 67. On est juste avant mai 68, juste avant les événements de mai 68. On est dans une France heureuse, la page de la guerre d'Algérie est tournée, donc on est en plein boom économique, une croissance économique très vertueuse, et une France qui est quand même un peu léthargique, en sommeil, avant les événements qu'on connaît. Moi je me méfie donc de cette vision rétrospective qu'on pourrait avoir de ces années-là, d'une part, donc je pense que c'était peut-être des années heureuses, mais je me méfie d'une relecture qui serait nostalgique de ces années-là, d'une part. Et d'autre part, pourquoi le sac ? Eh bien, parce que le sac, donc le service d'action civique, qui a été créé en 1960, est un phénomène
disons, qui a été explorée par les historiens, mais très peu par la littérature de genre. Et je voulais m'en emparer, je voulais faire un travail un petit peu, toute modestie, faire un peu ce que Elroy avait fait à sa façon, avec sa trilogie Underworld USA, hein, sur l'Amérique, mais des années 60. Et pourquoi le sac est... qui est une sorte de mafia, de pègre, oui, politico-financière, on peut dire, pourquoi là, ça n'inspire pas les romans noirs ou les romanciers de polar? Alors, ça a inspiré quand même quelques écrivains, comme Didier Daninx ou Dominique Manotti, qui ont pu évoquer le sac dans leur roman, mais de manière très, très oblique, très latérale. Et moi, je voulais vraiment traiter le sac frontalement, comme ce qu'a fait quelqu'un comme Davodeau dans sa bande dessinée, même si bon, on n'est pas dans un registre qui est celui de la fiction, on est plus du côté de l'enquête. Il y a une dizaine d'années, il y avait un téléfilm de Canal+, qui avait été produit, qui s'appelait « Sac, les hommes de l'ombre ». Voilà ma connaissance, hein, alors peut-être que je me trompe, mais très peu de romans évoquent le sac, et je voulais vraiment qu'il soit le centre de gravité du roman, vraiment. Je voulais que ce soit la matière première du roman. Parce que le sac, c'est un peu la face sombre du gaullisme. Il y a le gaullisme de guerre qui est un gaullisme glorieux. Oui, épique. Épique. Oui. Et le sac, c'est un peu l'arrière-cuisine vraiment, vraiment mocharde de tout ça, quoi. C'est des gens qui deviennent vraiment des mafieux. Et oui, dans l'histoire de France de cette période, il y a quantité de scandales qui rappellent beaucoup ce qu'on va trouver dans votre livre. Oui, alors c'est une officine qui est totalement indépendante du parti gaulliste, hein, il faut quand même pas perdre ça de vue, hein, mais qui fonctionne de façon totalement autonome. Hein. Donc je l'ai dit, hein, donc le sac est créé en 1960, et après 1962, lorsque De Gaulle a traité la question, on a terminé avec la question algérienne, pas mal de gens du sac donc, vont quitter l'officine, et là on va recruter dans la pègre. Hein. Et le fonctionnement est effectivement mafieux, puisque c'est un fonctionnement qui n'hésite pas, enfin, ce sont des gens qui n'hésitent pas à utiliser la violence, peut-être, non. Donc oui, ce sont des gens qui n'hésitent pas à faire du racket, à utiliser la violence, ils sont armés, donc menaces, intimidations, et il y a un certain nombre de scandales qui vont être associés à lui. Vous pouvez nous raconter un ou deux scandales? Vous parlez de... La fois qu'on s'est vu, on parlait d'un grand scandale immobilier. Oui, alors c'est pas un scandale immobilier qui concerne le sac directement. Hein, donc c'est un scandale qui s'appelle le scandale de la garantie foncière, qui va émerger en 72 et le procès va avoir lieu en 73. Donc c'est quelques années après l'action du roman. Donc là, on est en plein affairisme pompidoulien. Mais il y a surtout un scandale qui est celui de l'ERTEC, qui est une officine parallèle du SAC, hein, qui va être elle aussi impliquée dans un certain nombre de scandales immobiliers, et là aussi avec le même fonctionnement, menaces, intimidations, raquettes. Donc moi, c'est une fiction, hein, j'ai articulé tout ça et je l'ai décalé dans la période qu'on pourrait qualifier de gaulo-pompidolienne. Il y a un travail de la langue qui est effectivement très, très enveloppant quand on lit le livre. Et ce travail, il est aussi au service des personnages. Parce que je trouve que les personnages sont extrêmement originaux dans leur psychologie, dans leur sexualité, dans leur façon de vivre. Vous pouvez nous parler de cette construction des personnages? Comment vous les agencez entre eux? Alors, ce sont des personnages, il y a les trois policiers dont j'ai parlé. Je voulais pas qu'on soit des personnages monolithiques, stéréotypés. Je voulais aussi que ce soit des personnages qui aient chacun leur part d'ombre, qui cultivent chacun, tous les trois, hein, une certaine forme d'ambiguïté. Effectivement, ce sont des policiers qui sont peut-être décalés par rapport à leur milieu, et ils sont les porteurs peut-être d'un monde désenchanté dans ces années-là. On est en 67, donc on est 25 ans après 1942, après la conférence de Wannsee, après la Shoah. Et ce sont des personnages qui interviennent dans cette séquence historique, donc 25 ans après l'occupation et après la guerre d'Algérie aussi, après les événements de la guerre d'Algérie, qui est présente mais de manière souterraine aussi dans le roman. Parce que ce qu'on découvre aussi au fur et à mesure, c'est que la quasi-totalité des personnages, bons et méchants, sont des résistants. Oui, alors certains d'authentiques résistants, d'autres pseudo-résistants.
Oui, parce que le supérieur hiérarchique de Marlin faisait partie pendant la guerre d'un groupe qui s'appelait l'Honneur de la Police, qui est un groupe de résistants qu'on ne connaît pas beaucoup, qui se réunissait place du Châtelet, dans un café qui s'appelle le Zimmer, qui existe encore d'ailleurs. Ils se réunissaient dans les sous-sols de ce café. La plupart d'entre eux, donc c'était des inspecteurs, des gardiens de la paix, des commissaires. La plupart d'entre eux ont été raflés d'ailleurs au Zimmer et ils ont été tous déportés. Donc je voulais aussi explorer donc cette part qui est celle du gaullisme de guerre que vous avez évoqué tout à l'heure. Et à travers ce personnage donc, qui est Bénac, qui est le supérieur hiérarchique de Marlin, mais lui-même Marlin est un ancien maquisard. Donc pas forcément des gens gaullistes au sens historique du terme, mais des figures de la résistance française. Donc des policiers qui ne sont pas ceux qu'on nous présente habituellement. On a beaucoup parlé de l'histoire de Avant l'aube, mais quand on lit ce roman, on est face à un roman qui, dans le travail de l'écriture et de la langue, est vraiment très différent des romans noirs historiques qu'on peut lire habituellement. Il y a une grande poésie qu'on ne retrouve pas forcément dans les romans noirs. Il y a un vrai travail de rythme et de sensation. Il y a un travail stylistique, oui, alors le travail stylistique, il est du côté d'une écriture qu'on pourrait qualifier de directe, ça c'est la marque de fabrique du roman noir, une écriture effectivement très elliptique, des phrases verbales, des phrases non verbales, pardon. Mais il y a aussi tout un traitement poétique, puisque moi je viens de la littérature générale, hein, j'ai fait ce mouvement qui va de la littérature blanche, entre guillemets, vers la littérature noire. Et je suis très attaché au style, alors pas au style au sens bourgeois, hein, mais donc le style, ce serait peut-être, comme disait Flaubert, une manière absolue de voir les choses. Et je pense que le travail de la langue, le travail de la forme est primordial, quand bien même je m'inscris dans une tradition qui est celle de la littérature de genre. Alors je viens pas nulle part, hein, c'est une écriture l'écriture de polar, l'écriture du roman noir, c'est celle que je revendique, c'est celle des pères fondateurs, Dashiell Hammett, Raymond Chandler et un écrivain qui est moins connu qui s'appelle Burnett. Alors Hammett, on le qualifie souvent d'écrivain behavioriste, Chandler on est plus du côté d'une forme de lyrisme, mais d'un lyrisme noir, et je m'inscris vraiment dans cet héritage-là, celui aussi, le lyrisme aussi de Burnett, hein, qui peut parfois être même presque élégiaque. Donc l'écriture, elle est très anglo-saxonne, hein, donc dans ce sens-là, ça veut dire qu'il y a il y a une certaine violence, il y a une certaine rudesse, hein, mais avec des échappées comme ça, des courts-circuits parfois poétiques, des digressions qui sont à la limite de la contemplation, donc c'est assez surprenant dans un roman noir. Mais pour moi, c'était important de travailler donc cette forme et d'aborder aussi des problématiques qui ne sont pas celles forcément du roman noir, des problématiques comme celle de l'animalité, des problématiques comme celle d'une forme de désagrégation de la conscience d'un personnage dans le monde. Donc il y a toute une série de questionnements comme ça philosophiques sur les rapports de l'homme et de l'homme entre l'homme avec la nature et la culture, donc toutes ces séries-là. Donc il y a tout aussi une toile de fond qu'on pourrait qualifier de, bon c'est un peu prétentieux, mais presque de philosophique, enfin un courant de la philosophie qu'on appelle la phénoménologie, hein. Donc il y a toute une série de notations comme ça, concrètes, dans le rapport au monde, mais qui relèvent plutôt d'une forme de poésie. Pour rebondir sur la poésie, quand on a fini votre livre, on tombe sur quelques pages, qui est une liste de citations. On a les auteurs, on a les livres d'où ils viennent, les dates, de citations qui ont été tricotées dans votre texte à vous. On s'en rend pas compte à la lecture, ouais. Mais on a une sorte de vertige à la fin, parce qu'on s'est dit, finalement, on a un livre, on avait 10 ou 15 écrivains d'un seul coup dans les mains, et on s'en était pas rendu compte. Un vertige citationnel. Alors je ne suis pas le premier à pratiquer cette technique du collage, hein, c'est quelque chose qui date des années 20, avec des écrivains comme Alfred Döblin par exemple, ou un écrivain américain comme Dos Passos. Hein. Donc la plupart des phrases qui sont en italique dans le roman ne sont pas de moi, et donc ce sont des citations dont j'indique effectivement la source à la fin. Donc il peut y avoir aussi bien des poètes, des philosophes,
des écrivains. Le livre pourrait être conçu comme un montage de citations, parce que je suis très attaché à l'idée que la littérature ne vient pas de nulle part, que nous sommes toujours écrits, que que le texte est tissé. Hein. Il y a aussi un dialogue comme ça, donc avec un certain nombre d'écrivains, enfin, donc, qui sont mes lectures. Et j'ai toujours ce fantasme aussi d'écrire un livre qui ne serait qu'un montage de citations, un livre qui ne serait pas de moi. J'aurais ce fantasme d'abdiquer toute prétention auctoriale. Alors ça a été fait de manière assez brillante dans les années 60 avec un écrivain allemand qui s'appelait Alexander Kluge, qui était un élève du philosophe Adorno, qui écrit un livre sur Stalingrad en 1966. Ça a été fait aussi par un écrivain allemand qui s'appelle Enzensberger, un livre sur la guerre d'Espagne, qui s'appelle « Le bref été de l'anarchie », qui a été publié en 1975, qui est un livre exclusivement composé de citations. Et plus près de nous, par un écrivain français que j'aime beaucoup, qui s'appelle Frédéric Roux, un livre sur le boxeur Mohamed Ali, dont le titre est « Alias Ali », et qui est un livre entièrement conçu, composé de citations, de coupures de presse, d'articles de journaux, et donc pas une seule phrase n'est de Frédéric Roux. C'est un livre qui a été publié très très récemment. Et puis il y a un autre écrivain français que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Jacques Schoul, qui a beaucoup pratiqué cette technique du collage. Donc ce sont des choses qui relèvent plutôt d'une littérature qui relève de l'avant-garde, et ça m'amusait d'utiliser cette technique avant-gardiste dans le cadre d'un roman noir qui peut se trouver très facilement dans les gares. Oui, parce qu'il y a le collège, mais il y a aussi, quand on a toutes les citations, mais une espèce de... On imagine un livre bourgeonnant, avec d'autres livres qui sortent du livre, en fait, et qu'on a envie de lire, parce qu'on se dit, si la citation y est, c'est probablement pour une bonne raison. Mm-hmm. Oui, parce que ça... Donc j'espère que ça donnera envie au lecteur d'aller lire tous les écrivains que je cite, les poètes, les philosophes que je cite à la fin du livre. Hein. Et c'est presque, vous avez raison d'utiliser cette métaphore, hein, de la ramification, de l'arborescence même. Hein. L'idée, donc c'est une idée très borgésienne, hein, que la littérature est une espèce de dialogue interminable, qui n'en finit pas, un dialogue indéfini, où toutes les voies pourraient traverser comme ça le corps du texte. Alors c'est plutôt quelque chose, oui, qui relève de l'avant-garde, mais c'est aussi quelque chose pour moi de très récréatif.